aujourd'hui, 10 janvier 2019, là, c'est pour nous lancer signal mobilisation pour l'année 2019 là, qui pour nous soit une année de combat. Une année de combat pour arriver à la victoire finale. Là. Nous là pour nous dire que des autres, nos pays, côté Grenègue pour payer taxes, c'est malheureux qui paye taxes de passe Grenègue. Nous avons un budget criminel que Jovenel Seyant, les coquins, dans le peuple. Là. Nous là pour dire que pas question que le budget soit voté pour que les Grenègue aient un espace pour faire comme, mais malheureux, il y a tout ici, on va pas taxer de hauteur. Nous là pour dire que DGI, c'est instance qui est là pour surveiller bien l'État. Les au volant de l'État, est-ce que vous pensez que vous êtes pour le loyer, c'est DGI. Je veux dire, nous l'avons dit, peuple là, nous qui devons fixer les gars sur DGI, exiger que DGI pour les prêts, nous devons le nous sommes avec nous, ensemble, et entreprises qui impliquées dans un vol comme Caribéa, nous tout gagné. Mais avant de et entreprises jovenel, tout le monde. Nous avons souhaité que la presse ait une liste pour nous, pour que tout le monde connaisse, mais qui entreprise comme Petro, Caribéa, comme Peuple. Nous disons là, aujourd'hui, nous voyons un signal de mobilisation, c'est préparé. Mobilisation 14 là, devant le Parlement. Vous êtes tous les trois pour pouvoir là, vous allez demander qui ça y a pas payé. Vous avez une explication sur comment c'est fait-il pour déposer le Parlement un budget aussi criminel, votre réaction parlementaire par rapport à ça. Nous pouvons le faire une motion sans suite pour dire que ni exécutif là, ni Parlement, ni le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir corrompu et bien plein à mal dire que vous et que votre. Parce qu'à continuer, pour nous arriver à pour le système politique, le système économique, pour tout le monde qui a mangé, tout le monde qui a boit, tout le monde qui a joué l'école, pour aller. Ça veut dire que, combien, pour faire comme tout arriver là, comme c'est un gâche là, restituer le peuple là, tout le monde qui va camper. Même si on dit baisser, donc c'est baisser pour le reprendre encore. Je lui ai dit, distant, c'est Sina qui l'a lancé, et tout compatriote, ici, c'est le bord de l'eau. Mettez votre au prêt, mettez tes au prêt, parce que béton avant le coutier chauffé. Donc, c'est ce que vous voulez là, c'est rendez-vous 14 là, côté tout le peuple a gagné, pour descendre devant le Parlement, pour demander trois pour explication sur qui Jean Payen est là. Comment se fait-il gagner au peuple qui a bruit grand goût pendant qu'on chavoite dans le Parlement, la primature a bien mené à tout le peuple là. Donc, nous allons demander une explication. Et nous avons dit, population, que rendez-vous ça, c'est rendez-vous qui n'a pas oublié. Troisième rendez-vous, c'est rendez-vous 17. Le 17 là côté, combine avec notre organisation. 7 janvier, 7 janvier 2019 là, avant de faire une journée solidarité avec la nation Kiskeya. Il y a plusieurs écrivains, plusieurs artistes qui baillent concouillon pour réaliser ce jour de ça, qui a fait 17 janvier là, pour la nation Kiskeya côté. Livre qui a vendu, c'est une statistique spéciale, pour 5% dans le code qui a vendu, à part la caisse radio, qui est après d'elle, et reprendre le fonctionnement normal. On a dit, tout le monde, pas oublié, deux rendez-vous là, c'est rendez-vous 14, normalement, rendez-vous 17, dans la radio qui est là, côté poêle, et faire la population, parce qu'elle n'a pas campé. Je viens là, sur une situation terrible, inacceptable, nous allons faire battre le Gouméa. Donc, tout le monde qui pour pas comprendre, ce Gouméa, nous disons que Gouméa a fait commencer. Et aujourd'hui, nous lançons signal, mobilisation, pour les petits défis. Et après tout le monde, le 14, le 17. Mobilisation. 17 octobre, c'est un gros signal qui est pris, vous voyez. Quand le peuple a dit, ni pour le pasteur, ni pour le mafia, que mafia et le parler, ils n'ont pas digéré, ils n'ont pas de quoi avec. Maintenant, si Jovenel continue à vivre le monde, c'est parce qu'il y a surtout appui pour le pasteur, que côté, parce que lui-même, pour le pasteur, il n'a pas payé de taxes, c'est malgré qu'il a fait payer de taxes sur la place, il n'a pas de quoi vivre comme lui. Il y a tant de belles. Mais là, dit que, pour. L'histoire que ça là, je ne peux pas prendre le repose. Parce que ça qui était essayé de comprendre, elle n'a pas une capacité pour le repose, pas information politique, qui n'a pas une expérience politique pour ça. Et pour la population, tout clair que ça qui là, il n'y a pas de repose pour ça.
Donc, faut que maintenant, on va continuer et nous dire que nous allons dire à Pasta, que comme les détails sont là, même les appels régionaux, les appels vont tirer tout coûte. Parce que le peuple, là, va la rue en masse. Et pour exiger que départ, arrestation, tout prenez mandat, mais tout établi pour créer une structure, pour mettre base pour aller vers notre pays, notre société, notre état, qui peut pas là. Nous gagnons environ 7 ailleurs. Nous gagnons 1. Nous gagnons Sadrak, ancien député de Sadrak, deuxième dédonné. Nous gagnons Lionel Touyo, nous gagnons Egon Jean-François, nous gagnons Dr. Eddy Lucien, nous gagnons Jacques Seyus, Ben Jacques Seyus, nous gagnons Josué Berilien, nous gagnons encore l'autre homme qui nous bâtit là, qui a pour des volets. Et nous gagnons des artistes pour Thème, Défi, Pacamon, BIC, Cap là. Justement pour arriver et jouer sa moune de la famille. Donc, son bonne journée, ça va nous faire rendez-vous le 14, le 17, pour que nous, les 14, nous mettons au bas. Le 17, la plus personnalité avec la Dioxine. Les jeunes authentiques et honnêtes, objectif nous, c'est lutter contre la délinquance juvénile. Ce que fait nous là, jeudi et matin, le 10 janvier, ça, c'est parce que nous réaliser le budget que DG lui-même. L'ilagé sous béton, cap pour travail en d'un pays à pouvoir. Il y a volé terre en d'un pays. Et puis nous avons un premier ministre qui c'est Jean-Henri Seyan qui t'a volé terre et puis on prend le mettre en tête pays à pouvoir. On l'autre volé qui relève Jovenel Moïse qui c'est plus gros volé. Nous avons regardé biographie qui c'est plus gros volé. Nous même à achat nous dit avec toute notre organisation qui l'a, nous venons devant DG pour nous dire nous pas d'accord avec le budget ça et nous pas d'accord avec Jovenel. Et nous disons ça, nous besoin d'un procès honnête. Il y a un procès honnête, un procès sale pas qu'a fait avec Jovenel Moïse ni Henri Seyon comme un volontaire. Avec Molan, Molan c'est le plus gros volet que vous mettez en dedans sous tête de DGI pour être capable de voler terre par le pouvoir. Ils ont montré les bourgeoisie, les qui ont un cop dans le main, ils n'ont pas payé taxes et nous-mêmes, si malheureux, dans le secteur Sac-Pimalio. Il a fait nous payer taxes, nous font des boutiques, il a passé, il a dit nous faut que nous payer taxes, et nous avons des maquettes, nous avons des hôtels, il a pas payer taxes, nous même nous font des boutiques pour nous payer petit nous manger, et nous avons fait qu'on ait un petit bac sirette. Il faut qu'on paye les taxes. Nous disons, nous venons devant DGI, nous disons, ah bah, système ça. Nous ne sommes pas d'accord avec le budget ça. Le budget ça, il ne va pas voter pour la police, il ne va pas voter pour l'éducation. Il faut garder dans le budget, l'éducation, pas la donne. Et ça fait nous-mêmes, aujourd'hui, matin, le 10 janvier, nous disons, nous ne sommes pas d'accord avec le budget ça. Merci la police.